Fukunoi. Mwah. Elle est enceinte, Clovis, du forgeron. Je vais le tuer ! Certainement pas, vieux sot. Il ne faut pas que cela se sache. Elle est enceinte, ça va finir par se savoir. Vous, les hommes, vous n'avez décidément rien inventé. On va la marier. Comment ça, la marier ? Et à qui ? Le temps que nous préparions l'affaire, son ventre sera déjà bien arrondi. C'était sans compter sur l'intervention de votre merveilleuse épouse. Vous avez déjà tout prévu. Mm-hmm. Qui est-ce ? Sir Hoffman. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que vous préférez ? Sir Hoffman et sa grande fortune ou la déchéance de notre famille ? J'ai fait porter les invitations à Sir Hoffman. Il arrive cet après-midi. Et Constance ? Parce que vous croyez qu'elle a le choix ? Mademoiselle Constance, Sir Hoffman est arrivé. C'est hors de question que je le rencontre. Constance, soit vous y allez, soit je fais exécuter ce forgeron. Anna, s'il vous plaît, préparez-la. Quenade veneuse. Granula. Shinful Granoi. Mademoiselle Constance, voulez-vous prendre Sir Hoffman pour époux ? Tu es banni séant de notre royaume et ton forgeron sera exécuté dès ce soir. Tu n'es plus ma fille. J'ai tout fait pour te sauver, Constance, mais tu as tout gâché. Oh, quelle sotte ! Rends-toi à Windenburg. Nous possédons un château là-bas. Aux dernières nouvelles, une tempête l'avait ravagé et il avait été laissé à l'abandon. Je ne sais pas dans quel état il est, mais... je suis sûre qu'il pourra être un refuge pour toi. Pars maintenant. Thank you.
Traumatisée par la mort de son enfant, Constance n'accordera plus aucune place à l'amour. Elle s'est promis qu'aucun homme ne pourra par deux fois paraître dans sa couche. Dorénavant, obsédée par la procréation, Constance désire se construire la plus grande famille possible, afin d'oublier celle qui l'a abandonnée. Eh oui, Thaïs aussi se met à faire un 100 baby challenge, voilà. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de personnes qui en faisaient sur YouTube. Bah voilà, non, il n'y en avait pas assez. Fallait que moi aussi, j'apporte ma pierre à l'édifice, non? Allez, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on se retrouve pour un royal 100 baby, comme je l'ai appelé. Alors j'ai adoré ma petite série La Vie de Château, qui se trouve sur ma chaîne, que vous pourrez retrouver aisément. Donc j'ai décidé d'introduire cette notion de royauté dans le 100 baby. Voilà, cherchez pas, c'est mon délire. Peut-être que je regretterais ce que je suis en train de faire là, mais bon, pour l'instant, je le fais. Et donc, vous l'avez compris, qui dit sans baby pas du tout classique, dit règle pas du tout classique. Je vais vous présenter, moi, ce que je me suis fixé comme règle. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est réalisable, réaliste, si ça paraît cohérent par rapport à ce que vous connaissez potentiellement ailleurs. L'objectif premier de ce challenge étant de faire sans bébé, ça vous l'avez compris, avec toujours des pères différents, jamais le même daron, hein. Bien entendu, qu'il n'y en ait aucun qui se fasse retirer par l'assistante sociale, évidemment, hein, parce que sinon, voilà. Et comme si c'était pas suffisant, j'ai décidé de rajouter un challenge dans le challenge, voilà. J'ai décidé de faire un château en ruine, voilà, un château en ruine totale que vous voyez à l'écran. Et notre objectif, ce sera de le rénover, voilà, de le pimper un peu, d'en faire une résidence charmante pour une famille. Et vous l'aurez compris, il n'y a pas que le château qui est totalement en ruine et qu'il faut reprendre, hein, bien entendu. Il y a aussi tout l'extérieur à refaire parce que l'extérieur est dans un état pitoyable. La Sims n'a pas le droit d'aller au travail, en tout cas certainement pas un travail conventionnel. Et bien évidemment, comme j'adore me compliquer la vie et que j'adore galérer, tous les défis de terrain devront être actifs. Je sais pas si c'est raisonnable, on jaugera au fur et à mesure, mais j'aimerais vraiment relever le défi de garder tous les défis de terrain actifs. Comme trait de terrain imposé, nous avons alignement cosmique, mais parce que sinon on va pas s'en sortir, ça c'est vraiment un trait positif, et c'est un petit peu la balance entre les défis de terrain et ça, soyons honnêtes, accueillant et fantastique sol. Pour l'aspiration à long terme que j'ai choisie pour notre cimette, qui je ne vous l'ai pas encore présentée, mais vous la verrez dans peu de temps, s'appelle Constance le Bourgeois. Elle a l'aspiration grande famille heureuse qu'il va également falloir remplir, accomplir à 100% pour la réussite du 100 baby. Et donc cette fameuse Constance le Bourgeois, elle est morose, délicate et froide, ce sont des traits imposés. Nous avons aussi le trait très famille qui a été mis par le jeu à cause de l'aspiration. Moi, vu que j'ai le mode royauté et également le mode Wicked Wimps, j'ai le trait Everyman qui s'est mis automatiquement, donc elle est classique, c'est une personne comme une autre, elle ne se démarque pas. Elle est du coup pauvre parce que bah elle n'a pas de sous. Elle a zéro simflouz, bien évidemment. Il faut démarrer avec zéro simflouz, ça c'est logique. Et c'est une paysanne, voilà. Bon, théoriquement, pas vraiment. Mais maintenant, oui, sa situation familiale fait que, effectivement, elle vit dans la paysannerie. Voilà. Et bien sûr, zéro triche autorisée, on galère. Et voilà, et en vrai, il n'y a pas beaucoup de règles. Bon, je vous les écris de toute façon tout en description, comme ça, il n'y aura pas de questions à se poser, et on va éviter d'y passer 3 heures également. Je sais pas si on va réussir à tenir le réalisme de la royauté dans ce let's play, puisque bon, au fur et à mesure des générations, ben les gens de la partie, ils vont mourir. Et donc, c'est là que vous interviendrez, j'ose espérer, hein, voilà. Si vous regardez, que vous kiffez, que vous aimez bien, j'aurai besoin de vous pour continuer, parce que toute seule, j'y arriverai pas. Santé à vous, hein, si vous le faites. Je vous propose donc de participer activement à ce let's play en proposant vos personnages sur la galerie que j'irai directement télécharger et que je mettrai dans mon jeu. Pour ce faire, je vous laisse le soin de me proposer vos personnages via le hashtag ThaïsRoyal100baby que je vous écris à l'écran. Oui, je sais, c'est un peu long, mais au moins comme ça, je retrouverai sans difficulté. S'il vous plaît, créez-moi des personnages. Je vous en supplie. Là, vraiment, c'est un cri du cœur, franchement. Ce serait vraiment méchant de laisser quelqu'un dans cette situation. Je suis désolée. Ce serait pas cool du tout de me laisser galérer toute seule. Oh, bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai que c'est triste de commencer sa vie comme ça. Attendez! Mais c'est quoi cet oiseau? Mais c'est incroyable, ce truc! Coucou, toi! Ah, mais t'es moche de près, punaise. C'est quoi ces ailes? Ah, elles sont affreuses. Oh, c'était plus beau de loin. Oh, mais c'est trop beau!
Mais de loin par contre, hein, vous l'avez compris. Mais attendez, mais il sort d'où tous ces oiseaux? Par contre, lui, il est transparent, Miskin. Tu vas bien? T'as l'air malade, hein, mon ref. Ça va aller ou pas? Donc voilà le terrain sur lequel Constance le Bourgeois va construire sa vie et surtout sa famille. Et elle va commencer par récolter un max de thunes parce que je sais qu'ici, il y en a. C'est parti, ma grande. Et elle a acquis la compétence jardinage, ça y est. Mais je suis sûre qu'il y a un truc. Il y a des espèces de perroquets chez moi. Oh, il est chelou, il fait peur, lui. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, frère? Il fait des pas chassés, le perroquet. Mais on est où là? C'est n'importe quoi! Mais regardez, ils font des pas chassés les oiseaux ici. Bon bref, peu importe, on n'est pas là pour observer les oiseaux qui font des pas chassés, on est là pour trouver de l'argent, parce que l'objectif c'est quand même de nourrir nos futurs enfants. Oh là là, y a rien qui a poussé déjà là. Pff, ça va être compliqué hein. On va chercher des grenouilles ici. Allez va ma grande, récupère des grenouilles. C'est le minimum que tu puisses faire. Une grenouille feuille. Ah bah oui, elle est délicate, donc forcément, elle aime pas les choses visqueuses et dégoûtantes. Ma chérie, tu vas vraiment être face à des choses visqueuses et dégoûtantes là, t'as pas le choix. Donc, elle a une grenouille feuille qui est commune et donc des jacinthes. Qualité frêle. Ah bah super. On n'est pas sorti de l'auberge. Aussi une chose que je vous ai pas dite en introduction, mais pareil, on va pas pouvoir voyager d'un monde à un autre ou je sais pas quoi. Ah mince, elle est mal à l'aise maintenant pour creuser. Oh là là, mon dieu. Mais ça va pas le faire ça. Hein. Mais arrête, non. Tout est chiant. Non. Coopère s'il te plaît, t'es chiante. On va pas commencer comme ça. Il faut qu'on avance. Faut que tu fasses des bébés, ma chérie. Oh, Regina. Et voilà, voilà, maintenant il pleut. Ben oui, hein. T'as patienté trop longtemps. Bah, y a pas de souci, on attend que t'ailles mieux, mais bon. N'oublie pas que t'as une maison à construire, ma grande. Donc, on va pas pouvoir voyager d'un monde à un autre comme ça. Il va vraiment falloir qu'on ait un cheval avant de pouvoir voyager. Allez, elle est bien, hop, on va creuser et chercher les grenouilles de l'autre côté. Donc, on va rien déraciner, ni contempler, on n'a pas que ça à faire. Ah, quoique contempler, ça peut peut-être faire du bien en termes de mood. Donc, elle va pouvoir aller là, parce que c'est à côté de chez elle. Enfin, toutes les zones à côté de chez elle, elle peut y aller, voilà. Donc, là, là, là. On va dire, enfin, tant que ça peut se faire à pied, quoi. Elle vient d'avoir une grenouille aubergine rayée, ce qui n'est pas mal du tout. Ah, ça y est, elle commence à être mal à l'aise. Bah oui, non, mais oui, je sais, à cause de sa putain de grenouille. Va allumer un feu, ça va aller mieux déjà. Bah ouais, non, mais non, il pleut. Le feu, il va pas prendre. Je suis bête. Essaye quand même, on sait jamais. Regardez, là, déjà, feu de camp agréable. Vous vous imaginez dans cette situation, avec une robe ensanglantée, vous vous retrouvez dans un château complètement en ruine, toute seule, vous connaissez personne. Il y a de quoi péter les plombs. C'est trop triste. Oh non. Elle fait pitié quoi la fille. Oh voilà, voilà. Maintenant elle a trop chaud à cause de la température. Ah mais oui, mais peut-être le feu c'est pas l'idée du siècle quoi. Effectivement, avec la chaleur c'est un peu con ce que je suis en train de faire. Oui, oui, bah... Excuse-moi, je veux pas te rendre malade, ni que t'attrapes quelconque maladie. Ah ouais, c'était violent hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui est grenouille, je le ferai à la fin, quoi, en dernier. Ensuite, je vais cliquer donc sur ça. Ça, en fait, c'est les nouveaux points de pêche. Au lieu d'avoir le panneau avec le poisson, la ridicule, on a ça. Donc, on peut bien sûr aller pêcher et récupérer de l'eau. Donc, on va commencer par récupérer de l'eau parce que, bah, on est hors réseau. Ça y est, elle a récupéré de l'eau? D'accord, aller pêcher. Et donc, l'eau, elle est où? J'ai jamais joué en hors réseau, je sais pas ce que ça implique. Mais du coup, je pensais qu'elle allait avoir, genre, je sais pas, des trucs d'eau, quoi, mais non. D'accord. Allez, ramasse du poisson, Makai, ramasse, ramasse. Oh, la pêche aussi, c'est dégoûtant. Bah non, c'est pas dégoûtant. Tu vas en avoir besoin. Mais en même temps, si c'était trop facile, ce serait pas drôle. N'est-ce pas? Donc vas-y, madame. On pêche. Fais un petit effort, là. La fille, elle se permet d'être délicate. T'as une robe pleine de sang, déjà. Donc commençons déjà par là. Oh, elle n'aime pas la pêche. Tenter d'attraper toutes ces choses visqueuses et recouvertes d'écailles n'amuse pas, Constance. Doit-elle lâcher prise et admettre qu'elle n'aime pas la pêche? Oui. Oui, t'aimes peut-être pas la pêche, mais tu vas quand même pêcher, ma chérie, et récupérer de l'eau, parce que je vais voir quelle est l'interaction. Elle est tendue, je déteste la pêche. Constance n'en peut plus. Est-ce que cet enfer va se terminer? Bah, à bientôt, ma chérie. J'aimerais bien que tu pêches au moins un poisson, au moins un. Mais visiblement, c'est pas prévu pour le moment. T'arrêtes de faire la tête, franchement, ça te rend vraiment pas belle, hein. Ah! Ah non, elle a rien réussi à pêcher la gueuse. Hein. Elle y arrive pas. Bon bah c'est bon, arrête. Hein. Passe un mauvais moment. Ouais bah laisse tomber ma sœur. Hein. Ah oui, elle récupère de l'eau comme ça. C'est pratique. Elle récupère de l'eau, d'accord, mais il n'y a pas d'eau dans son inventaire. Je comprends pas en fait comment ça fonctionne. Bon, peu importe, on va quand même essayer de trouver un daron à notre premier gosse, parce que, bah, mine de rien, c'est ce qu'on est censé faire, donc bah, on va le faire tout de suite. Tout en creusant et en cherchant un petit peu autour de chez nous des choses pour pouvoir avoir un minimum de thunes. Et ah, là, il y a quelqu'un. Alors, qui es-tu, toi? Stop. Oh, bah, super.
Il est moche, lui, dis donc. Mais bon, on n'est pas là pour regarder la beauté des uns et des autres. Alors lui, du coup, c'est Sir Ulrich de Burès. Eh ben, bonjour, Sir. Attends ! Oh ! C'est vrai qu'on peut faire les poches. Oh, ça, j'aimerais bien essayer. Ça, ça me ferait bien kiffer, tiens. Mais on va commencer par se présenter amicalement avant de lui faire les poches. Hein. On est poli quand même. Et j'espère que tu m'attends, Sir Ulrich, là, ou je sais pas quoi. Il y a lui aussi, c'est qui, lui ? Ah non, lui, c'est le sultan, là. Ah non. Mais il est chelou, lui, en plus, il est énervé. Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourquoi tu fais le vénère comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Prince Ahmed. Ah, c'est un prince, quand même, là. Ah, peut-être, hein, il y a moyen. Bonjour. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour que je partage mes pensées mélancoliques ? Oh, t'as l'air d'être un sacré connard, toi. Ah non, alors par contre, j'accepte pas les mains, mon coco. T'as vu comme je suis belle ? Je suis peut-être ensanglantée, mais je suis belle. Continue, je te fouille les poches, là. Ah, mais tu l'as rendu triste. Oh, je vais te soutenir concernant ta barbe et ta moustache. C'est vrai que c'est affreux, mais je te soutiens quand même parce que je suis sympa. Et puisque j'ai pas le choix, surtout. Pickpocket food, j'ai trop envie d'essayer ça. On va regarder ce que ça fait. Ça fait partie du mode, on a le droit de l'utiliser. Avec parcimonie, bien sûr, mais juste, je veux voir, il se passe quoi. Elle a acquis l'art de pickpocketé. Ah, ça va permettre à ton Sims de se frayer un chemin dans une vie financièrement plus confortable. Et elle a pickpocketé de la viande blanche. D'accord, ok. Bon bref, je vais te demander de passer du temps avec moi si tu veux bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser chez Wham. J'habite où déjà ? Je me repère déjà plus. Oh là là, c'est catastrophique. Ah, j'habite là. Il faut aussi que je trouve des toilettes hein, dans tout ça. Elles sont où les chiottes ici ? Ah ouais, ça c'est un problème. Je sais qu'il y en a forcément, mais en plus il fait noir maintenant, je vois plus rien. Oh les gars, il y a des chiottes dans le coin ? Ah mais eux, ils font peur. Hein. Enfin, lui surtout. T'es flippant mon coco là. Tu me fais peur. Mais est-ce qu'au moins tu sais où il y a des toilettes dans le coin ? Est-ce que tu peux me renseigner, fouiller ? Pas d'ordures fraîches à fouiller. Je vais me faire pipi dessus là. Oh mon dieu. Oh putain. Puis j'ai pas réussi à séduire le mec que je voulais. Je suis trop mal à l'aise. Non mais sérieux, il y a pas de chiottes ? C'est une blague. Bah écoute, hein, j'en sais rien moi. Demain il fera jour, tu verras ça demain. Lui on va l'appeler là, Ulrich, Sir Ulrich là. Putain, il est à l'autre bout le gueux quoi. Oh. Allez, va, cours vers ton premier bébé. Ah bah voilà. Oh là 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 là, je me suis fait pipi dessus, ça y est, voilà, il fallait que ça arrive, hein. Oh non, comme par hasard, il a arrêté de pleuvoir. J'allais dire, là, à l'instant, je prends une douche sous la pluie. Au final, il arrête de pleuvoir pile poil quand je me pisse dessus, mais le sort s'acharne, hein. Et Ulrich, tu vas plus lui parler, du coup. Va lui parler. Amour, on va commencer à flirter, là. On va l'inviter à danser, hein. Ouais, ouais, non, mais parce que je peux plus rien faire, là. Je suis trop mal à l'aise. Oui, je pue, c'est vrai, Sir Ulrich, mais en attendant, je peux vous faire un bébé. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une jolie femme, certes qui pue, mais qui peut vous faire un bébé. Je vous loue mon utérus, mon cher Sir Ulrich. Par contre, mec, je t'ai invité à danser. Tu refuses ma danse, là, ou comment ça se passe ? Eh, mon coco, tu me refuses pas ma danse, frère. Merci. En tant que gentleman, elle peut pas danser. Bah, tu me dégoûtes, meuf. Allez, j'essaye de me rapprocher de lui, mais c'est très dur, parce que je suis très fatiguée. Donc, c'est pas grave, on n'aura pas notre bébé aujourd'hui. On va rentrer ce... Bah oui, c'est vrai que je vais aller dormir, mais elle a pas de lit, la meuf. Objectivement, la dame n'a pas de lit. Elle ne peut pas dormir. Bah, reste avec lui, alors. Tu t'écrouleras, et puis c'est tout. Mine de rien, ça l'a inspiré. Nous pouvons que rêver de cette vie. Discussion sur les nobles. Pouvez-vous imaginer avoir vos propres serviteurs qui cuisinent et préparent le feu pour vous? Les meilleurs potins de la ville. C'est toujours si rafraîchissant de se retrouver avec des sims et de passer du temps de qualité ensemble. Et conversation agréable qui remonte le moral à chaque fois. Comment et où est-ce qu'on peut dormir? Genre, y a pas un banc ici. C'est là où je me dis, je connais très peu cette map en vrai, même si je l'aime bien, mais je la connais pas tant que ça, la map. Hein. Y'avait pas un banc sur le terrain? Non, je crois pas en vrai. Je crois que j'avais rien mis. Ça va être chaud patate cette histoire. C'est quoi ça? Ça me fume. Oh, mais c'est flippant ce truc. Ah, c'est ouf, je peux l'allumer ce truc. Ça doit être entre guillemets du feu. Je vais essayer. Hein. Après tout, j'ai que ça à faire. Je dois attendre de m'effondrer là, donc. Maintenant, je vais regarder les calories des trucs avant de les bouffer. Ça va me refroidir de ouf, parce que bon, c'est bien d'aller à la salle et de perdre du poids, mais c'est pour bouffer 70 calories. Un Ferrero, putain! Quand tu vois qu'il te faut au moins une heure de vélo elliptique à intensité moyenne pour perdre 70 calories, frère. Je suis en train de m'égarer complet. Oh là là, il est 4h du matin, le soleil commence à se lever, et on a Constance qui n'a toujours pas dormi, et qui se dirige vers le feu. Elle a mis 3h à y aller parce qu'elle est tellement mal qu'elle peut pas courir. C'est assez flippant, en vrai, hein. Bah elle se casse quoi, elle retourne sur son terrain, ça servait à quoi de passer toute la nuit à descendre ici pour remonter sur ton terrain dès que t'avais allumé le truc? C'est useless ma cocotte. Ah, Lady Theodora. Bah dommage, je peux pas vous utiliser pour faire un gosse hein, Lady Theodora. Faites voir votre tête. Bah vous avez pas l'air commode de toute façon, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Méchante. Elle arrive sur son terrain là, elle y est. Ah ça y est, elle va enfin s'évanouir. Bah oui.
il fallait quand même que ça arrive. Je vais peut-être réussir à trouver un banc en pleine journée, parce que j'y voyais que dalle en pleine nuit, là, c'était catastrophique. Donc on a quand même un quartz rose, on a des jacinthes, alors bon, ça vaut pas grand-chose, mais on va quand même en planter une ou deux, là, genre je dirais autour de l'arbre. Le reste, on vend, voilà, donc ça fait déjà 38 simflouzes, c'est pas négligeable. On a... Oh, pardon, stop, c'est quoi ce truc? De toute façon, ne pas voler quoi, y'a rien ici. Non mais là, il nous faut un lit, quoi, parce que ça va être l'horreur, quoi, si elle a pas de lit. On fait à peine de commencer, on a toujours pas de bébé, mais c'est déjà compliqué. On va ouvrir les capsules aussi. Oh, ça va 50 simflouzes. Et l'autre capsule, ouvrir. Lui, bon, 20 simflouzes, c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Hop, on vend tout ça. Le quartz rose, on va le vendre aussi. Le fossile, on le vend aussi. Une des deux grenouilles qui sert à rien, on va la vendre. Ça nous fait déjà 182 simflouzes. Et avec 182 simflouzes, on peut déjà se mettre un lit quelque part, non? Vous croyez pas? J'ai un petit lit bateau, là, en CC qui vaut pas cher. On va s'en servir. Bon, l'objectif étant à la fin de ne pas faire une maison avec des CC, hein, on est bien d'accord, mais bon. Va dormir. Attends, t'es en train de nous dire qu'elle va vraiment se rétamer alors que je l'ai envoyée dormir dans un lit, quoi. Trop tard. Ah ouais. Ah ouais, sur des lattes de bateau comme ça, c'est terrible, hein. Franchement, ça donne pas envie, hein. Ah, il y a Sir Ulrich de Bure qui m'appelle. Coucou. Je me demandais si je pouvais dormir chez toi quelque temps. Passons du temps ensemble et amusons-nous. Mais c'est parfait, ça. Franchement, c'est tout ce que j'attendais. Il ramène sa valise. J'ai des trucs à faire là en deux spi. Faut que j'aille arroser mes plantes. Il faudra aussi trouver des toilettes. J'ai récolté un petit peu des jacinthes et des trucs un petit peu partout que j'ai vendu tout à l'heure. Donc j'ai de quoi m'acheter des petites toilettes quand même. Ce sera donc ceci, je pense. On va pouvoir mettre ça juste là. Là, on va juste s'occuper... Non mais si, oh, mais t'es chiante. Mais t'as trop chaud, mais mets-toi en temps chaud, ma cocotte. Tu me racontes quoi, là? C'est n'importe quoi, tu te crées des problèmes toute seule. Oui, tu as faim, c'est vrai. Est-ce qu'on peut s'acheter un four? Potentiellement qu'on va pouvoir s'en acheter un. Allez, viens faire pipi, là, si t'as envie de faire pipi. Allez, va. Elle est insupportable. Tout le temps, elle pète au casque, celle-là. Le but, c'est de faire des bébés, là. Tu nous fais perdre du temps avec tes envies pressantes de toilette, tes caprices, des t'as trop chaud, t'as trop froid. Et calme-toi, hein. N'oublie pas d'où tu viens. Ah oui, non, mince, ça va pas avec elle. Ça peut pas coller, cette phrase. Sire, je fais pipi, j'arrive. Ouais, c'est vrai qu'elle pue pour aller voir son mec, j'avoue, ça le fait pas trop. J'ai de l'argent, je pourrais me rajouter une petite baignoire. Hein. Une baignoire ancienne, 150 simflouzes, regardez. On peut large le faire, ça. Par contre, on va mettre un petit bébé move object, là, parce que ça m'a gavé en 2 secondes. Voilà. Hop, prendre un bain rapide et tiède. Allez, va faire ça. Ah, laisse ce renard tranquille. Là, l'objectif, c'est les bébés, c'est pas le renard. Hein. Donc, on y va gaiement, là, s'il te plaît. Du coup, pour la route. Et maintenant, notre Constance, elle est tendue parce qu'elle a besoin de divertissement. On va aller s'amuser avec Ulrich. Bon, elle en met du temps à se laver. On a dit un bain rapide et tiède. Il est tout sauf rapide, le bain, là. Oh, bah oui, mon coco, mais dépêche-toi. Et elle a faim, en plus. J'ai de la viande grâce à Ulrich, mais je peux pas la cuisiner, donc c'est un peu chiant. D'ailleurs, je pense que j'ai assez de simflouzes pour acheter, vous savez, le panneau qui nous permettra d'aller pêcher, donc je vais faire ça. Oh, 55! Par ici, par là, où allez-vous? Faire des achats, chasser ou simplement vous promener? Ce panneau vous indiquera le chemin à suivre. Comme ça, je pourrais aller au moins chasser dans la forêt, les quais, le village. Autant vous dire que les quais, est-ce que je peux y aller sur les quais? On peut dire qu'en vrai, oui, hein, il y a la mer tout autour de moi, donc je peux y aller. Le village, je peux pas y aller parce que j'ai pas de cheval. La forêt, je peux y aller. Partir à la recherche de nourriture ou aller à la chasse, ça c'est possible. Bon, ce bain, il était tout sauf rapide et tiède. Enfin, tiède, j'en sais rien. En tout cas, il était pas rapide du tout. Franchement, pas pour un sou. L'autre Sir Ulrich, là, il se fait grave chier chez nous parce qu'il y a rien à faire. Du coup, il est devant la maison, il bouge pas. Miskine. On va t'occuper un petit peu pendant ton séjour. On va déjà te demander comment se passe ta journée. Mais surtout, on va peut-être commencer un petit peu les événements là d'amour. Là. Complimenter lourdement l'apparence. On va commencer par faire ça. Ah, il fait chaud, Sir Ulrich. Voulez-vous refroidir l'atmosphère avec moi? En plus, vous êtes sacrément beau avec votre moustache. J'adore. Oh, mon mouchoir, Sir Ulrich de Bar. Il est tombé. Oh, merci. Vous êtes fort et vénère la meuf. Oh, je suis en train de m'évanouir, Sir Ulrich, s'il vous plaît. Ah, il y a du rose, ça commence, ça commence. Allez, on continue. On va demander si la personne est célibataire, même si ça nous intéresse absolument pas de connaître la réponse. Ah, il est marié. Ah mince. On peut danser au moins, s'il vous plaît, Sir Ulrich. C'est beau, là, la belle étoile. Oh, elle a acquis la compétence étiquette, que vous connaissez déjà un petit peu si vous avez suivi mon let's play La Vie de Château. On va ensuite pas perdre de temps. On va refaire... Ah non.
Ah, je suis trop mal à l'aise. Oh non, pourquoi ? Eau saunâtre utilise de l'eau en étant hors réseau. Ce go acidulé spécial vient d'une stagnation non filtrée 100% bio. Désormais disponible avec des additifs totalement naturels. Non mais oh, calme-toi hein, ma cocotte là. Ah mais avec une Sims comme ça, on va pas s'en sortir là. Oh là là, mais elle est relou. Punaise, mais on veut notre premier bébé. L'épisode, il va durer 3 heures à cause de toi. Elle est chiante la meuf là. Oh, cette team est affamée. Je vais être obligée de faire un truc parce que sinon je vais mourir quoi. Je vais mourir, oui, c'est ce qui va se passer. Je vais vraiment mourir. Oh, pause. Attendez, vous croyez vraiment que le challenge là il va s'arrêter avant même que j'aie eu le temps de faire un enfant? Oh, stop, il me faut trouver à manger. Et si on allait peut-être dans la forêt pour partir à la recherche de nourriture? Allez, on va faire ça. Je vois pas comment je peux m'en sortir autrement là. Bon, Sir Ulrich, une seconde là, je pars à la recherche de nourriture dans la forêt en deux spies parce que j'ai super faim là. Elle est inspirée parce qu'elle recherche de la nourriture. Ah, les oiseaux ont chanté et les arbres ont sifflé. Il n'y a pas de musique plus douce que les instruments de la nature. Oh putain. Lol. Oh, merci des pommes. Eh ben, je vais manger des pommes. Je vais manger les 3 pommes que le seigneur m'a donné. Il m'a donné aussi des œufs frêles, mais des œufs quand même, et des oignons. Donc, vu que je suis sympa, je vais peut-être pas lui donner à manger les oignons, mais les pommes, ça peut le faire, non? Allez, mange encore une pomme. Tu t'en sors grâce à la nature, hein. C'est quand même mieux que rien. Oh là là. Oh, j'en étais sûre que ça allait faire ça, stop. Vengeance de la nature. Mange des fruits ou des légumes récoltés. Constance s'est sentie incroyablement bien en cueillant fièrement des fruits et légumes avant de croquer dedans. Décimés et dévorés, les vindicatifs végétaux ont utilisé leur dernière arme en semant le chaos dans son système digestif, pourvu que Constance ait réussi à faire fonctionner ses toilettes hors réseau. Ah, ah, c'est incroyable, j'en étais sûre, je sais pas pourquoi. Je sentais que ça pouvait arriver, qu'il pouvait y avoir une dinguerie avec la bouffe. Oui, ah, pardon. Oh, Sir Ulrich, prenez-moi dans vos bras, je vous en prie. Servez-moi un peu d'eau, je tombe. Oh. Merci, du coup maintenant je dois aller évacuer aux toilettes. Oh. Elle est trop chiante. On était sur le point de le serrer, là. On était sur le point de le serrer. Oh non, elle s'est pissée dessus encore. Oh, pétard! Ben voilà, ben voilà. Ben maintenant, tu pues. Ben, tu vas dormir en puant. Je m'en fiche. Non, tu vas dormir en puant, c'est tout. Parce qu'il faut que demain, tu te lèves à une heure correcte pour qu'on puisse faire une journée correcte, récolter des trucs, faire le gosse, parce que merci. Oh... Oui, je sais, c'est qu'un crash et moi, je suis désolée. Merci. Oh, merci, t'as emporté un balai avec toi dans tes bagages. Oh, c'est génial. Merci, Sir Ulrich. Il va être crevé, lui, parce qu'il a nulle part où dormir, le coco, hein. Regarde, moi, ça y est, je suis reposée, je vais me lever, je vais te laisser aller dormir. En attendant, je vais juste faire pipi et prendre mon bain. Un bain rapide et tiède encore une fois. Mais du coup, tu peux aller te coucher maintenant. Si le cœur t'en dit, Ulrich, hein. Parce que là, t'as pas l'air bien, t'as l'air vachement triste. Et je pense que franchement, le manque d'activité... Mais tu sors d'où ta bouffe? Des nuggets au poulet? Bah là j'ai faim, je vais être obligée de manger les oignons, j'ai pas le choix hein. Ah, il vient vers moi. Non, arrête, c'est propre, t'es un forceur Ulrich. Ah non non non, t'es un forceur, j'ai nettoyé. Non non non, mais c'est bon, stop, ça suffit. Amour, flirt. Oh putain, elle peut rien faire, elle est trop froide. Elle est pas bien, à la fin c'est dégueulasse. Punaise de pomme de terre, bouffe tes oignons là. Ça ira mieux après, tu pueras juste de la gueule pour embrasser Ulrich, mais au moins t'auras plus faim. Allez, allez, on mange là. On s'extasie devant les oignons. Et puis bien évidemment, son estomac lui fait des siennes parce que c'est la vengeance de la nature. Oh my god. Je sens que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu. Oh, j'ai quand même des jacinthes qui commencent à pousser. On va tout récolter. Ah, mince. S'accroupir sur le sol avec des vers et de la terre, non merci. Constance ne récolte pas du tout ce qu'elle a semé. Est-il temps d'admettre qu'elle n'aime pas le jardinage? Bon bah, on n'est pas dans le caca, nous, avec nos Sims. Là, il y avait un banc, je viens de capter, la main dans tout de suite. C'est très compliqué, hein. Là, vraiment, je galère. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je galère vraiment. Même avec une seule Sim, elle est tellement chiante. C'est une blague, là. Mais elle ne cesse de se pisser dessus, cette gueuse. Oh, elle est chiante. Et puis ses bains, ils sont pas rapides. Oh, je pète un câble. Deuxième bain de la journée, allez. Et on a tout repassé Ulrich. Maintenant, elle est très embarrassée pendant 4 heures. Elle va pas vouloir le séduire non plus. J'en peux plus. J'en peux plus, cette Sim. J'en peux plus, voilà. 1h30, c'est la fin de la vidéo et j'aurai pas serré Ulrich. C'est qui, celle-là? Elle veut quoi? Je te raccroche au nez. Je veux pas te donner un Sim flou. Je m'en fiche. Laisse-moi tranquille. Bon. Eh bien, nous, c'est sur ce que s'achève notre premier épisode. C'est pas très concluant pour l'instant, notre affaire. Mais on va essayer de s'en sortir à l'épisode prochain pour déjà serrer Ulrich, premièrement, et lui faire son premier gosse. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'attends toutes vos impressions en commentaire, vos avis, vos suggestions. Pourquoi pas me proposer des prénoms aussi, parce que ça, je sais que c'est la coutume. Peu importe, moi, y a pas de thème, vous faites ce que vous voulez.
faut que ça ait l'air un petit peu à l'ancienne, mais voilà, c'est tout ce que je veux. N'oubliez pas le hashtag Thaïs Royal sans bébé, que je vous remets bien évidemment en bas de l'écran. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite du Royal sans bébé. Alors à bientôt, ciao.